tout est prêt. La foule se masse, l'orchestre à pas de loup discrètement se place, l'éléphant prend sa trompe, le cerf son corps de chasse, et voici que soudain monte dans le silence, pour le plaisir de nos cinq sens, la musique de Monsieur Saint-Saëns. Soudain, vive le roi, et l'on voit la crinière en arrière, entrer le lion très britannique, la mine altière, vêtue de soieries au ton chatoyant. Vous condamnera pour chantage ou pour vol. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on a dit? Quel animal? La tortue. Le compositeur qui a écrit cette musique, il adorait jouer avec ces espèces de bibelots qu'on a des fois sur les cheminées, hein, des petits objets qu'on a ramenés de vacances, et il appelait ça des chinoiseries. Et il a fait une musique comme si au moment où le personnage se plongeait dans son bain, toutes ces petites boîtes, ces petits jouets commençaient à s'animer. C'est l'aideronette.